Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. La semaine dernière, on recevait enfin les carreaux de terre cuite qu'il nous manquait pour le salon. Il faut maintenant finir de les décharger et commencer à les mettre à tremper en vue de la pose. Cette semaine, on va s'attaquer à la pose du sol dans le salon. Et donc pour ça, on a trouvé des carreaux en terre cuite, toujours, qui sont neufs, mais faits à la main, donc de manière artisanale. Et d'ailleurs, on peut encore voir sur le carreau les traces de doigts de la personne qui est venue lisser donc, la terre dans le moule. Donc c'est des carreaux beaucoup plus fins que les carreaux anciens qu'on a récupérés dans le Piémont. On a une épaisseur assez constante de 2,5 cm. Et ensuite, donc on a une dimension de environ 20 cm par 40 cm. Donc on a commencé déjà à effectuer quelques tests, comme vous voyez derrière moi, de disposition des carreaux. On a même effectué des tests de pose qui ne se sont pas avérés très concluants, puisqu'on a choisi un motif en épi, qui est donc beaucoup plus compliqué que les autres motifs qu'on a choisis dans les autres chambres. La particularité de ce motif, c'est que c'est assez dur de trouver une ligne et de tracer une ligne qu'on va suivre ensuite pour être bien droit. Voilà, autre raison pour laquelle les tests n'ont pas été vraiment concluants, on a voulu peut-être avancer un petit peu trop vite et on n'a pas encore réalisé la jonction entre le sol du salon et le sol de la cuisine. Alors pour voir un petit peu plus en détail de quoi je suis en train de parler, donc là on est dans la cuisine et ici dans le salon. Donc on a décidé de créer une frise qui va venir démarquer les deux différences de sol. Donc pour ça, on a choisi un motif assez simple. Donc on va tout simplement venir faire continuer le sol de la cuisine légèrement dans l'épaisseur du passage. Et ensuite, on va disposer des carreaux comme ça, tournés à 45 degrés par rapport aux carreaux de la cuisine. Voilà, et donc tous ces espaces ici sont remplis par des triangles, donc je vais couper des carreaux en deux qui vont venir être insérés à chaque fois à cet endroit-là. Voilà, donc on va commencer par les coupes et ensuite on attaquera la pose.
vous avez pu le voir sur ces dernières images, on rencontre actuellement quelques problèmes avec les carreaux de la cuisine. Un voile blanc est apparu à leur surface et on observe même l'apparition de salpêtres sur certains carreaux. On a été très occupés ces dernières semaines, ce qui nous a empêchés de venir sur le chantier aussi régulièrement que d'habitude et d'ouvrir les fenêtres. On suppose donc que le mauvais temps et le manque d'aération de la maison n'ont pas permis à la chape de bien sécher, ce qui a favorisé l'apparition de moisissures. Pour ce qui est du voile blanc, il pourrait s'agir de remontées de l'étance de la chaux utilisée pour la chape et l'encollage des carreaux, ainsi que de remontées de calcaire provenant de l'eau assez dure dont nous disposons. Pour essayer d'y remédier, on dilue du vinaigre ménager dans de l'eau chaude et on frotte. On laisse ensuite sécher au maximum en ouvrant toutes les fenêtres aussi longtemps que possible. Retour à la pose des sols. Comme d'habitude, on nettoie bien le support. Et on humidifie, ce qui va pas vraiment aider nos problèmes de salpêtre. Pour la colle, on utilisera une barbotine de chaux épaisse, dosée à environ un volume de chaux pour un demi-volume d'eau. On procède ensuite à un double encollage en s'aidant d'un peigne de 10 mm pour répartir la colle sur la chape. Thank you.
Et voilà les derniers carreaux qu'on a réussi à poser cette semaine. On pensait vraiment que la pose allait être beaucoup plus simple étant donné que les carreaux sont neufs. Mais on s'est vite rendu compte qu'ils étaient assez irréguliers, autant en largeur qu'en longueur, et pas parfaitement plats non plus. Le motif choisi demande aussi un peu de concentration afin de ne pas partir dans tous les sens. On espère quand même pouvoir terminer la semaine prochaine et en finir avec ces terres cuites. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Thank you.